Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la grotte de Massabiel. Notre chant d'entrée ce matin, allez dans le monde entier de tous les peuples, faites des disciples, Alléluia, Amen. Allez dans le monde entier de tous les peuples, faites des disciples, Alléluia, Amen. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez dans le monde entier, de tous les peuples, faites des disciples, Alléluia, Amen. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez dans le monde entier, de tous les peuples, faites des disciples, Alléluia, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de pouvoir célébrer cette messe en communion avec vous tous qui nous suivez par les billets de la télévision KTO ou de la radio francophone. Aujourd'hui, nous prions à toutes les intentions qui nous sont confiées et que nous déposons ici à la grotte, et spécialement aux intentions de ceux qui font leur pèlerinage spirituel. Scandinavie, Shrewsbury, Ruelzi Fondazione, Montauban, Albi, Salford, Plymouth, Hexham and Newcastle. Le cierge allumé devant l'autel, cher pèlerin, symbolise votre présence. Que Dieu soit attentif à nos prières, qu'il nous accueille avec tendresse en ce jour où nous faisons mémoire d'Alphonse de Liguori, évêque et docteur de l'Église. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, qui ne cesse d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu, fais-nous suivre les exemples de Saint Alphonse de Liguori, remplis-nous d'ardeur pour le salut de nos frères, et nous obtiendrons comme lui le bonheur du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie.
En ces jours-là, les prêtres et les prophètes dirent au prince et à tout le peuple : Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, vous l'avez entendu de vos oreilles. À son tour, Jérémie s'adressa à tous les princes et à tout le peuple : C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison et contre cette ville, et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Écoutez la voix du Seigneur votre Dieu. Alors il renoncera au malheur qu'il a proféré contre vous. Quant à moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semblera bon et juste. Mais sachez-le bien, si vous me faites mourir, vous allez vous charger d'un sang innocent, vous-même et cette ville et tous ses habitants. Car c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé vers vous proclamer toutes ces paroles pour que vous les entendiez. Alors les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes : Cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. Comme la protection d'Ahikam, fils de Shaphan, était acquise à Jérémie, il échappa aux mains de ceux qui voulaient le faire mourir. Parole du Seigneur. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce. Que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Alléluia, 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 alléluia. Ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée,
apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par un serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre le corps qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous raconte cette émouvante histoire de la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est précurseur de Jésus-Christ, envoyé par Dieu et déjà sanctifié par le Christ dans le sein de sa mère Élisabeth pour préparer son peuple à la venue du Messie. Il présente à ses disciples Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je baptise avec de l'eau, lui, il baptisera du Saint-Esprit et du feu, disait Jean-Baptiste. Il ne se limitait pas à prêcher la pénitence et la conversion. Il a aussi l'humilité profonde de montrer Jésus, de montrer en Jésus le véritable envoyé de Dieu et de déclarer « Il faut qu'il grandisse et que je diminue ». Pourquoi Jean-Baptiste est-il mort en martyr? Parce qu'il ne taisait pas la vérité. Le pape Benoît XVI disait, Saint Jean-Baptiste donna sa vie pour le Christ, même si on ne lui ordonna pas de régner Jésus-Christ, on lui ordonna uniquement de taire la vérité. La parole de Jean-Baptiste dérangeait, était insupportable pour Hérodiade, femme du roi Hérode Antipas. Or, Jean-Baptiste ne taisait pas la vérité.
Et ainsi, il est mort pour le Christ qui est la vérité. Précisément, dit Benoît XVI, il est mort pour l'amour de la vérité. Il n'a pas fait de compromis et n'avait pas peur d'adresser des paroles fortes à ceux qui s'étaient égarés loin de la voie de Dieu. En regardant cette grande figure que l'Évangile d'aujourd'hui nous fait redécouvrir, en regardant cette force dont la passion, dont la résistance contre les puissants, nous nous demandons d'où naît cette vie consacrée, cohérente et droite. La réponse est simple, de la relation avec Dieu, de la prière, qui est le fil conducteur de toute son existence. L'existence tout entière de Jean-Baptiste est nourrie par la relation avec Dieu. Mais il n'est pas seulement un homme de prière, de relation permanente avec Dieu. Il est aussi un guide pour cette relation. Car nous entendons dans l'évangile de Saint-Luc qu'il apprenait à prier à ses disciples. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Chers frères et sœurs, le martyre de Saint Jean-Baptiste nous rappelle à nous, chrétiens de notre temps, qu'aucun compromis n'est possible avec l'amour du Christ, avec sa parole, avec sa vérité. La vie chrétienne exige le martyre de la fidélité quotidienne à l'Évangile, c'est-à-dire le courage de laisser le Christ grandir en nous et de le laisser orienter notre pensée et nos actions. Cela n'est possible que si notre vie et notre relation avec Dieu est solide. Ici à la grotte de Massabielle, demandons à la Sainte Vierge Marie de nous donner le courage de suivre l'exemple de Saint Jean-Baptiste et de nous laisser inspirer par Sainte Bernadette, elle aussi un grand témoin d'une relation profonde avec Dieu et de prière, apprise à l'école de la Sainte Vierge Marie. Chers pèlerins, c'est maintenant le moment de la quête. N'oubliez pas que votre geste d'offrande reste nécessaire à la vie du sanctuaire. Alors soyez-en vivement remerciés. Lourdes ne peut pas vivre sans vous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dont ta bonté, Seigneur, avive en nos cœurs le feu de l'Esprit Saint. Toi qui as donné à Saint Alphonse Marie la grâce de célébrer ses mystères en s'offrant lui-même comme une victime sainte par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Alphonse, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous. »
et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Alphonse, Marie de Ligouri et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Nicolas et son frère Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais une parole, je serai. De la table du Seigneur, approchons-nous en chantant. Jésus-Christ, Seigneur, Alléluia. Jésus-Christ, Seigneur, Alléluia. Recevons le corps sacré du Christ, le Fils de Dieu, qui s'est fait pauvre parmi nous pour nous combler de sa richesse. Jésus-Christ, Seigneur, Alléluia. Le corps sacré de celui qui changea l'eau en vin,
qui guérit les malades et chassa les démons. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Le corps sacré de celui qui marcha sur la mer et nourrit de quelques pains des foules nombreuses. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Le corps sacré de celui qui calma la tempête et d'un mot rendit à Madeleine la paix. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Le corps sacré de celui qui élève les humbles et promit au cœur pauvre l'héritage du royaume. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Le corps sacré de celui qui des morts ressuscita et s'est voulu parmi les hommes une église immaculée. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Le corps sacré de celui qui siège auprès du Père et reviendra le dernier jour pour juger vivants et morts. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Le corps sacré de celui qui nous apprend la charité pour vivre ensemble chaque jour sur les chemins de l'unité. Jésus-Christ, Seigneur, alléluia.
Prions le Seigneur. Seigneur qui a fait de Saint Alphonse un prédicateur, un ministre fidèle de l'Eucharistie, accorde-nous de communier souvent à tes mystères et en y communiant, de te bénir à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Santé des malades, secours des pécheurs, refuge des pauvres, espoir des petits. Laudate, laudate, laudate Mariam, laudate, laudate, laudate Mariam. Chantez sur la terre, chantez dans les cieux, le nom de la mère qui nous donne Dieu. Laudate, laudate, laudate Mariam, laudate.